Ouais, donc Trésor de Flandre, on est 20 producteurs, une association de producteurs et d'artisans locaux, donc de Flandre, qui a été créée donc il y a 21 ans. Donc il y a des éleveurs, il y a des producteurs laitiers, il y a Gaël Sabot qui est sur Bourbourg qui fait elle, des plantes aromatiques. Donc rien à voir du tout avec l'élevage, hein, si ce n'est l'élevage des fleurs. Moi je suis spécialisé dans le lin, donc j'élève du lin également. On a un producteur de cuir, on a un tourneur sur bois. Enfin c'est assez varié et assez diversifié. Et on se réunit une fois par an avec l'occasion du marché fermier. Donc cette année, nous sommes à Pigamme. Et l'année prochaine, nous serons à Guivel de chez Marc Desoirs. Donc chacun doit organiser la fête chez lui. C'est la grosse complication de l'année parce qu'il faut nettoyer la cour. Il faut vraiment prévoir l'accueil pour tout le monde. Il faut prévoir du parking. C'est une grosse fête. Mais bon, on vient renforcer les forces vives. Chaque membre de Trésor vient mettre en place les tonnelles, vient mettre en place la buvette. Vous voyez là derrière, c'est occupé de sa ferrée. Ce sont des gens de Trésor de Flandre qui font ce travail. Nous, on a mis trois mots-clés en avant, la passion de notre travail, la transparence et la qualité des produits. Thank you.